Je pense des, des auteurs de ces auteurs-là, c'est que euh, ce sont des auteurs qui en fait euh, ne se posent pas de questions et surtout ne font pas de recherche réelle. Euh, ils se posent uniquement des questions périphériques, euh, uniquement sur les structures, sur quelques bâtiments, et euh, en pensant faire de l'archéologie, mais parce qu'ils confondent euh, ce qu'est l'archéologie en réalité et ce qu'ils pensent être eux de l'archéologie. L'archéologie, hein, ce n'est pas du tout euh, l'étude des structures ou des, ou des bâtiments. Hein, c'est l'étude des sociétés anciennes à travers les restes matériels. Et quant à l'histoire, c'est l'étude des sociétés anciennes à travers les textes. Et eux pensent qu'en étudiant la pyramide, ils vont comprendre l'Égypte ancienne. Donc déjà, ils ont une vision très limitée de ce qu'ils qu étudient, mais en plus, euh, ils vont être euh, presque paresseux euh, en ne prenant que des phénomènes et ne, en ne faisant que des interrogations, mais sans réellement euh, chercher l'explication dans ce qui a déjà été fait, dans ce qui a été déjà étudié. Par exemple, euh, ils ne prennent pas le temps euh, de lire les textes et d'essayer de les comprendre, euh, que ce soit les textes de source ou que ce soit les études qui, a, qui ont été faites. Euh, de même, ils vont plaquer leurs idées euh, de manière euh, radicale hein, euh, sans s'en rendre compte que ces idées sont d'abord très anciennes ou alors totalement dépassées ou alors ne correspondent pas aux réalités du terrain parce qu'ils vont euh, tourner la réalité du terrain. Euh, ainsi, euh, les questions. Légitime, euh, par exemple, d'orientation de la pyramide. Effectivement, la pyramide a sans doute été orientée, il n'y a pas de question. Ils vont en faire une question beaucoup plus large, alors qu'aucune source ne peut le montrer. Euh, ils vont, par exemple, également euh, parler euh, euh, d'astrologie ou d'astronomie euh, ancienne. Je reprends, ça va d'astronomie. Euh, ils vont parler d'astronomie ancienne. Euh, alors que l'astronomie n'est qu'une science qui apparaît au 6e siècle ou au 5e siècle avant notre ère. Mais eux, ils vont euh, complètement le, 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 le confondre. Donc ces auteurs euh, vont euh, plaquer leurs biais, leurs idées, de manière radicale, sans prendre compte euh, les réalités de terrain, et, et en pensant euh, avoir inventé des liens qui n'existent pas, dans le temps ou dans l'espace. Euh, euh, avec eux, euh, on peut parler de charlatan de l'histoire. Moi, j'avoue que j'ai du mal à parler d'histoire hein, dans, dans ce niveau-là, parce que euh, l'utilisation de l'histoire, c'est autre chose. Euh L'histoire, encore une fois, c'est l'étude des sociétés euh, anciennes à travers les sources écrites. Hein, et là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Là, on est dans une espèce de, euh, de, de, de cirque archéologique dans lequel on va essayer de montrer des belles images, dans lequel on va essayer de faire croire qu'il existe des liens entre des structures qui n'existent pas. Euh, et on va essayer plus de nous faire rêver que d'étudier réellement euh, ces sociétés du passé. Ainsi, euh, on va lier euh, sur un écouteur penché un certain nombre de structures qui n'ont vraiment rien à voir. En disant, mais forcément, elles ont à voir puisqu'elles sont sur la même ligne. Oui, mais bon, euh, effectivement, elles sont sur la même ligne. Euh, ça ne veut pas dire qu'elles ont été écrites, euh, créées, euh, utilisées au même moment. Euh, mais pour eux, ça ne pose aucun problème. Donc, on est, est au-delà du charlatanisme. Euh, on est vraiment dans de l'invention. Euh, C'est même parfois pire que du roman historique dans ce qui est écrit. Lié par exemple encore, euh, hein, qui est un site euh, du euh, 10e au 14e siècle, euh, avec les grandes pyramides d'Égypte, ça n'a aucun sens en, en termes de, en termes de, de réalité euh, historique. C'est deux civilisations différentes, c'est deux époques différentes, c'est deux techniques de construction différentes, euh, c'est deux usages différents, mais pour ces auteurs, euh, non. Le simple fait euh, qu'ils soient sur une ligne équivalente euh, leur fait un lien. Mais sans, sans qu'ils ne puissent le démontrer, parce qu'en réalité, euh, leur, leur raisonnement est très rapidement, très court. Ils posent la question, ils disent Ah ils disent Ah Si c'est comme ça, c'est que forcément il y a un lien, mais ils ne disent pas pourquoi. Ils disent simplement Il devrait y avoir un lien. Et donc, on, on est dans quelque chose qui reste extrêmement vague. Et lorsqu'on les interroge et lorsque l'on dit Mais écoutez, euh, euh, monsieur, euh, démontrez-moi ce lien, ou appuyez-vous sur quelque chose de sérieux pour montrer ce lien, on tombe en général dans un silence de cathédrale, voire un silence sépulcral, tellement ils n'ont aucun argument à apporter. Euh, donc le papyrus Rhind est un, un papyrus extrêmement important, extrêmement intéressant. Il fait partie des quatre grands papyrus mathématiques que l'on connaît de l'Égypte ancienne. C'est un, un document qui euh, est un document qui n'est pas simplement un brouillon euh, à usage euh, simple pour l'apprentissage des, des cours, mais a euh, une synthèse du savoir mathématique du Moyen empire euh, Il est scindé en deux grandes parties. La première partie, c'est un ensemble de suites de chiffres hein, qui permettent de faire d'avoir des tables de calcul euh, en quelque sorte. Hein. Et le second, c'est un, un ensemble d'exercices euh, avec leur résolution et qui sont formulés de la manière suivante. Euh, quelqu'un parle au scribe mathématicien en lui disant si quelqu'un te demande de faire telle chose, et deuxième partie de la réponse, tu feras telle chose. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Et dans ce papyrus, on a notamment toute une série d'exercices pour le calcul euh, de la surface des cercles, hein, dans lequel on a justement cette approximation euh, des 9 neuvièmes, qui nous permet de savoir que en mathématiques, lorsque les Égyptiens ont, ont le besoin de calculer une surface de cercle, ils ont une formule qui est dans ce papyrus. Voilà. Et cette formule se vérifie ensuite sur le terrain, bien sûr. Donc, c'est un, un document absolument euh, extraordinaire et qui nous permet d'avoir une, une très très bonne connaissance. Et juste, je termine en disant que euh, ce document est en plus corroboré par les trois autres papyrus. Le maître en Égypte euh, est une question euh, qui, qui a été posée euh, en fait dès le 19e siècle, à savoir de faire un lien entre les mesures égyptiennes, considérées comme les plus anciennes, hein, et euh, les mesures contemporaines. Au départ, ce lien avait pour objectif de montrer que les mesures utilisées soit euh, en France, soit en Angleterre, euh, étaient légitimes parce que très anciennes. Hein, c'est ce qu'on appelle un argument ad antiquam, hein, euh, plus c'est ancien, plus c'est réel. Euh, le maître lui-même... Euh, L'idée du maître et du lien du maître euh, en Égypte vient essentiellement d'un article de 1952 du docteur funkellet hein, qui euh, fait la session suivante à savoir, euh, un cercle de 1 mètre de diamètre divisé par Pi donnerait une coudée royale de 52,36 cm. Euh, cette idée repose sur rien. Euh, D'abord, pourquoi Pi alors que euh, le papyrus de Rind montre que Pi n'existe pas Ensuite, euh, divisé par 6, euh, pourquoi pas par 8, par 4 ou par 2, il euh, n'y a aucune raison à ça, euh, c'est une, une invention, c'est simplement euh, parce que ça valide, hein, comme, comme on, on, on le dit. Hein. Et puis, euh, enfin... Euh, 52,36 comme étant la mesure absolue de la coudée royale n'a aucun, aucun sens non plus, parce que euh, la coudée royale a une valeur qui est variable, de 52,2 en gros à 52,7, hein, comme euh, les coudées euh, votives euh, le montrent euh, à travers les, les connaissances égyptiennes. Donc le mettre en Égypte est tout à fait absurde hein, comme, euh, comme idée hein, et n'a aucun, aucun sens. La question du temps de la construction de la pyramide de Khéops, est évidemment un des éléments sur lesquels les archéologues alternatifs vont s'appuyer. Euh, en fait, ils vont utiliser une technique classique de critique historique qu'on appelle l'hypercritique. Ils vont prendre un point, dire « c'est pas possible », et si ce point n'est pas possible, le reste n'est pas possible. Alors, ils vont prendre en fait, le texte d'Hérodote, qui est écrit au milieu du 5e siècle avant notre ère, qui dit que la pyramide a pris un peu plus de 20 ans. Comme, comme temps de construction, pour dire, ben bah voilà, euh, un édifice aussi grand, 20 ans, c'est absolument impossible. Sauf que ça fait maintenant très longtemps que les archéologues ne se servent plus des d'Hérodote pour essayer de comprendre la construction des pyramides égyptiennes, pour une raison simple. C'est que Hérodote il écrit 2000, plus de 2000 ans après le, la construction, et que ce qui a intéressé n'est pas de comprendre la construction des, des pyramides, mais de comprendre comment la société égyptienne, à l'époque contrôlée par les Perses, fonctionne. Donc ça n'a absolument rien à voir. D'autant que depuis, eh bien, on a trouvé beaucoup d'autres documents euh, sur euh, la, la, la pyramide, euh, le plus récent étant ce qu'on appelle le papyrus euh, de l'inspecteur Merer, hein, qui a été découvert en 2014, hein, et euh, qui parle euh, d'un moment de la fin de la construction de la pyramide, le moment où les parements, c'est-à-dire les pierres extérieures, sont installées, et qui sont situés au 27e ou 28e année du règne de Khéops. Donc la pyramide a mis au moins 28 ans à, à être construite, et encore, euh, elle s'est peut-être un peu plus longue les chercheurs alternatifs vont s'ancrer en disant ⁇ Ah là là, vous voyez, les archéologues, euh, ils disent quelque chose qui n'est pas possible, la pyramide, c'est 20 ans de construction, c'est pas possible ⁇ Et du coup, ils vont dire bah, ⁇ Si ce n'est pas possible, là, les archéologues se trompent sur le reste, alors qu'en réalité, eux-mêmes se trompent, parce qu'ils ne s'appuient pas sur les recherches actuelles et récentes, qui montrent que euh, les archéologues ne disent pas 20 ans, mais euh, ont une estimation aujourd'hui de 27-28 ans, en disant ⁇ Bon, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas ça la question essentielle ⁇ La de la Grande Pyramide à Kéops, c'est un petit, petit peu euh, comme la question des 20 ans, hein, c'est une des questions essentielles. Euh, la pyramide de Kéops appartient bien à Kéops pour un certain nombre de raisons. Euh, la première et la plus connue, évidemment, c'est la découverte de cartouches de Kéops dans euh, les chambres de décharge. Pendant très longtemps, certains archéologues alternatifs ont dit que c'était faux et que ces cartouches ont été rajoutées par la suite. Hein, ce qui euh, est peu possible, en ce sens que lorsqu'elles étaient découvertes, ces cartouches, on ne savait pas qu'était le cartouche de Khéops. Hein, donc c'était vraiment une, euh, impossible qu'ils aient été mis à ce moment-là. Euh, D'autres sont même encore allés plus loin, hein, notamment euh, Zakhar Sitchin, hein, en disant que ce n'était pas le, cartache, le cartouche pardon, de, de Khéops, mais celui d'un autre, euh, qu'il appelait Rafou, hein, bien sûr. Euh, mais lui a carrément déformé hein, le, le cartouche, l'a transformé, il a fait ce qu'on appelle un bidonnage, il a inventé une preuve hein, pour essayer de démonter euh, les, les théories euh, actuelles euh, sur euh, la pyramide de Khéops. Donc tout ceci montre que certains chercheurs alternatifs sont prêts à aller très loin euh, dans l'invention des sources pour euh, essayer de montrer qu'ils ont raison, hein, ce qui est très grave en archéologie. Hein. Ce, ce, ce type de, de, de comportement euh, vaut une, une euh, datation mémoria euh, quasi immédiate. Alors, dernier élément, c'est qu'on a de plus de certitudes encore que cette euh, pyramide appartient à, à Khéops, notamment de nouveau sur le fameux euh, papyrus me, de, de, de l'inspecteur Merer hein, qui mentionne Khufu sous ses deux noms, ce qui est évidemment extrêmement intéressant, parce que comme ça on peut, donc, Kufu et Ormeju, et qui en plus euh, explique que c'est bien une pyramide, puisqu'elle associe un personnage euh, qui est probablement le beau-frère euh, de Khufu, qui est nommé euh, comme le, le commissaire euh, de la fondation funéraire de Khéops, parlant de la pyramide de Khéops comme l'horizon de Khéops. Et bien tout ceci montre bien que cette pyramide appartient à Khéops, d'une part, et que d'autre part, elle est bien destinée à être son tombeau. Évidemment, la chronologie des pyramides est toujours un, un peu particulière euh, et, et elle interroge. Parce que, effectivement, les plus grandes pyramides, sont euh, les plus importantes en taille, sont parmi les plus anciennes. Mais euh, ça ne pose en, en réalité aucun problème en termes euh, d'historien euh, et d'archéologie, parce qu'il euh, y a une évolution de la construction funéraire en Égypte depuis une période assez ancienne, hein, celle qu'on appelle Nagada II, autour de 3500 avant notre ère, et qui se termine à la 12e dynastie. Euh, les tombes élitaires, les tombes des souverains ou les tombes des grandes élites, sont parmi les tombes les plus importantes. Au départ, elles sont simplement creusées, puis on y rajoute un mastaba, et puis on rajoute des mastabas sur ce mastaba, on arrive sur des pyramides à degrés. On arrive aux premières pyramides à Panlis, qui demandent un effort important, avec des essais de structures différents. Euh, et ces pyramides, chronologiquement, on les suit extrêmement bien, parce que chaque fois, ou quasiment chaque fois, dans les nécropoles, on trouve des éléments de datation, par exemple des céramiques, et la céramique se date très très bien à la thermoluminescence, pardon, euh, ce qui permet de connaître, de connaître absolument l'évolution de ces pyramides. Quant à la pyramide de Khéops, on l'a situe très très bien dans le temps, vers 2600 avant notre ère, parce que une pyramide n'est pas composée entièrement de blocs euh, écaris ou mal, plus ou moins bien écaris, mais également qu'on appelle de blocage, hein, c'est-à-dire des éléments divers, euh, des petits morceaux de pierre, euh, du mortier, etc., qu'on a pu analyser ce mortier au, au carbone 14 et euh, que l'on tombe sur une date autour de 2600 avant notre ère. Donc, en termes d'évolution chronologique, on n'a pas de problème. Ensuite, pourquoi les pyramides sont devenues plus petites Les raisons sont probablement essentiellement politiques. C'est qu'à partir du 5e et surtout de la 6e dynastie égyptienne, eh bien, le pouvoir centralisé va petit à petit se dissoudre hein, et on va avoir la première période intermédiaire. On va avoir un retour des pyramides euh, autour de la 11e et la 12e dynastie, sans doute pour se relégitimer en reprenant les systèmes funéraires anciens. Mais euh, le déplacement de la, cathedra, de la capitale pardon, et euh, également euh, les transformations euh, des cultes, et notamment euh, l'apparition du culte d'Amodré, ont modifié par la suite les systèmes funéraires. Ce qui fait qu'on va avoir, euh, à partir euh, du Moyen-Empire, plutôt des hypogées que des pyramides, pour des raisons qui ne sont pas techniques mais qui sont probablement de changement euh, de rituel. Euh, Joseph Davidovits a effectivement émis euh, une, une question dans les années 70-80 euh, concernant la construction des pyramides. En gros, on repart toujours de la même question, euh, à savoir c'est très compliqué à faire ou c'est très long à faire. Donc, il y a forcément un moyen plus simple. Et de nouveau, on retombe sur un élément de Zeitgeist en disant qu'ils bah, auraient sûrement un moyen euh, qui leur permettait de l'économie d'énergie, euh, on est en plein dans la le, question d'énergie des années 70, ou de temps. Et l'hypothèse de M. David David, c'est de dire eh qu'ils ont des, des, un système de, de pierres recomposées, en fait, hein, c'est-à-dire qu'ils réduisaient euh, ces pierres euh, en, en forme de, de sable calcaire qu'ils recomposaient ensuite euh, avec un système de moulage autour de la pyramide. Alors, cette théorie ne résiste absolument pas du tout euh, à, la, à la confrontation des sources, euh, de manière très claire. D'une part, euh, en termes euh, de pétrographie, hein, les pierres des pyramides, en tout cas les pierres de parement des pyramides, sont euh, des pierres qui ont été issues de carrières que l'on connaît et qu'on a analysées. On a la même analyse, c'est les mêmes pierres, on a l'endroit le, d'où viennent, euh, viennent ces pierres. Deuxième élément, les pierres ne sont pas toutes de la même taille. Or, l'économie d'énergie serait faire des moules et de réutiliser le moule. S'il faut faire un moule différent par pierre, on ne voit pas où est l'économie d'énergie. Enfin, euh, le dernier élément, euh, c'est que euh, ces cette technique-là n'a jamais été euh, démontrée pour l'Égypte ancienne. Et là aussi, M. Davidovitz n'a pas hésité à transformer des sources. Hein, il se sert notamment euh, pour euh, euh, montrer la connaissance qu'avaient les Égyptiens de ces techniques-là, d'une stèle qu'on appelle la stèle de la famine et qui parle effectivement euh, d'années très difficiles à l'époque euh, du pharaon euh, Joser. Hein, et euh, en réalité, cette stèle de la famine n'a jamais été écrite à cette époque-là. Hein, C'est un, un faux, déjà de l'époque, hein, du 4e-5e siècle, hein, qui parle euh, de l'époque de Joser, euh, afin de montrer que cette époque était bénie, et que l'époque actuelle ne l'est pas. Mais M. Davidovitz estime que là, on a la preuve qu'à l'époque de Joser, on avait ces formules-là. On retrouve effectivement dans ces pierres calcaires de Guizet tous les éléments composant les pierres calcaires, à savoir des restes de coquillages, puisque le calcaire c'est en partie des restes de coquillages. Et même chose, on fait très facilement le parallèle entre les pierres de blocage et les pierres de parement des pyramides, et les carrières où on retrouve les mêmes formations de numulites et les mêmes types de numulites. C'est pour ça qu'on a des études pétrographique extrêmement, extrêmement précise. La pétrographie, c'est l'étude hein, de, euh, des pierres hein, qui font le lien très clairement euh, entre les carrières du plateau de Guizet et les pyramides, euh, et l'usage de ces pierres dans les pyramides. En effet, euh, le, 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 le granit n'est qu'une petite composante, hein, une composante qui ne sert qu'à certaines pièces. Euh, probablement parce que le granit euh, est connue euh, par, par les Égyptiens comme une pierre beaucoup plus solide et beaucoup plus dure, hein. et étant beaucoup plus dure, il la réserve à des endroits où il pense qu'il va falloir la renforcer. Et effectivement, euh, notamment euh, la chambre du roi, ainsi que tout le système de chevrons, d'encorbellement hein, que l'on retrouve au-dessus. Le reste de la pyramide, euh, c'est euh, soit du calcaire autour de ces chambres, soit du calcaire en parement, c'est-à-dire en partie extérieure, hein, plus ou moins taillée. Le reste de la pyramide... C'est ce qu'on appelle du blocage, hein. c'est-à-dire un ensemble de gravats, de pierres de tailles différentes, variées, voire de sable euh, qui, est, euh, qui est installé dedans, hein. et de restes de mortier par exemple, hein. encore une fois qu'on a pu analyser en termes de datation. Effectivement, comme pour... Euh, comme pour euh la durée des pyramides, ou comme pour euh, l'appartenance la, de, de la pyramide de, de Keops à Keops, euh, la question du transport est une question qui est mise en avant. C'est d'ailleurs une des questions que M. Davidovitz met en avant en premier, en disant que euh, c'est très compliqué à transporter, donc ils ont dû faire plus simple. En réalité, euh, ce n'est pas un problème qui est très complexe. Je ne dis pas que ce n'est euh, pas complexe à faire, mais il n'y a pas de, 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 de problème technique autour de ça. Pour les blocs euh, eux-mêmes, euh, ils sont transportés depuis les carrières jusqu'à la pyramide, qui sont des distances assez courtes. Hein, les pyramides sont sur le plateau même, hein, sont au pied du plateau de Gizeh, hein, le, les, les carrières euh, pour les pierres des pyramides. et eh bien, elles sont transportées sur des rampes, dont on a découvert des exemplaires, hein, euh, par, de, par des hommes sur des chariots. Alors. Pourquoi on sait que c'est par des hommes sur des chariots D'abord parce qu'on a retrouvé des chariots, hein, une espèce de luge, hein, il, en, il en existe un certain nombre euh, au musée du Caire. Et comment on sait que c'est des hommes qui l'ont tiré Parce que là, on a des bas-reliefs hein, qui montrent effectivement des, des hommes en train de tirer ce type de chariot. Euh, un groupe d'une cinquantaine d'hommes euh, tirant une pierre de deux tonnes, euh, c'est effectivement ça demande un effort, hein, mais ce n'est pas quelque chose qui demande un effort surhumain, euh, qui demande une magie quelconque. Au contraire, hein, c'est même beaucoup plus facile de le faire ça avec des hommes qu'avec des, des animaux, parce que le compliqué, c'est de donner l'impulsion initiale. Or, des hommes vont réagir à un ordre de manière euh, unanime, alors que les animaux risquent d'avoir un temps de latence, et c'est pour ça qu'on préfère euh, utiliser des hommes pour ça. Mais en termes techniques, il n'y a pas de problème majeur. Alors, pour les pierres plus lourdes, Évidemment, il faut mettre des, 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 des systèmes plus complexes, avec plus de monde. Hein, mais euh, plus de monde, on a de la manœuvre à, à disposition et puis surtout on a le temps. Il n'y a pas de problème de temps. Le dernier élément, c'est de transporter euh, les blocs lourds, notamment les granites qui viennent essentiellement du sud de l'Égypte, hein, qui viennent d'Aswan. Hein. Là, euh, on a une voie fluviale euh, qui est le Nil, hein, qui est parfaite. Hein. Euh, on, sait qu on sait transporter euh, à l'Antiquité des blocs extrêmement lourds, hein, jusqu'à 2000 tonnes, hein, sur des bateaux sans que ça pose un problème majeur. Alors, encore une fois, Entendons-nous bien, je dis problème majeur, ça veut dire que techniquement il n'y a pas de problème. En revanche, c'est vrai que c'est un vrai euh, travail complexe euh, d'organisation du chantier. Mais là, on connaît les organisations du chantier euh, égyptien, ils sont très au point. Les momies dans les pyramides, c'est effectivement un argument qui est mis en avant en disant si on n'a pas retrouvé de momies dans les pyramides, ça veut dire que ce ne sont pas des tombeaux. Là encore, euh, c'est une, une grave erreur de la part des chercheurs alternatifs, parce que euh, si effectivement, dans un certain nombre de, de pyramides euh, qui ont été pillées, on n'a pas retrouvé de, de momies, dans un grand nombre d'autres pyramides, on a retrouvé des momies ou des restes de momies. Et je parle de pyramides bien sûr de l'Ancien Empire. Hein. Je ne parle pas d'hypogées ou, ou donc de tombes du moyen ou du, ou du Nouvel Empire. Hein. Donc on a tout à fait des éléments qui montrent euh, que l'on a des, des restes humains dans ces pyramides qui attestent bien que ce sont des tombeaux. Absolument la carte de Kefren est pour les archéologues le type de, de, de chantier de fouille absolument fantastique, absolument remarquable, qui nous informe énormément sur ce type de chantier. On y a euh, les blocs dégagés. Euh, les, ce qu'on appelle les fronts de taille, c'est-à-dire les, les, les fronts dans lesquels on va dégager les blocs, et puis ensuite on va creuser un peu plus loin. Euh, on y a euh, des petits éléments euh, de transport, et puis on comprend également parfaitement l'organisation du chantier, puisqu'on n'est pas très loin des villages euh, de, ces, de ces ouvriers. Euh, également, euh, on peut analyser les manières dont les blocs étaient dégagés euh, de, ces, euh, de ces fronts. Ça permet de voir que, évidemment, les Égyptiens font une économie euh, remarquables en plaçant leur carrière au plus près des constructions pour justement euh, eh bien, réussir à déplacer le nombre de blocs dont ils ont besoin. Donc les Égyptiens réfléchissent sur chantier en manière d'efficacité, sachant qu'ils ont euh, une durée de règne. La pyramide doit être construite durant en, en gros la durée de règne suffisamment longue. Ils espèrent suffisamment longue pour la construire. Alors on parle beaucoup des outils en Égypte, à juste titre, à juste titre parce que justement, on a trouvé un grand nombre. Hein. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Euh, il y avait euh, ces chariots en bois hein, qui sont importants, qui permettent de transporter les, 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 euh, les blocs de pierre. Mais on a également euh, des outils, alors soit des masses en dolérite, euh, soit euh, des petites herminettes soit des, des outils euh, euh, en silex, soit des scies euh, en, en cuivre hein, ou des forêts en cuivre. Et ces outils, on les connaît, par trois manières. On les connaît pour les avoir retrouvés en fouilles, en général des outils usés, bien sûr, hein, euh, qu'on qu peut analyser, pour les avoir également retrouvés sur des bas-reliefs, notamment les bas-reliefs des mastabas de Tilly ou des récumirés, hein, qui montrent tous les travaux qui sont faits autour euh, des pyramides ou de la, ou de la confection euh, des, euh, des statues. Hein. Et puis on les a également dans certains textes, puisqu'on a quelques textes hein, qui nous expliquent euh, qu'on utilise tel ou tel euh, instrument dans, avec le, le, le nom de l'instrument. On est très, très bien renseigné sur les, sur, les, sur les outils. Euh, ils ont une palette d'outils qui est assez large, avec des outils pour dégager la pierre, des outils pour la tailler euh, et des outils pour la mesurer et où la, euh, la placer. Donc ils ont la palette classique hein, d'un groupe euh, de chantier euh, que l'on aurait aujourd'hui. Bien sûr aujourd'hui les outils sont plus sophistiqués, mais ils ne sont pas moins efficaces. Euh, en effet, les outils des terres de pierre égyptiens sont grosso modo ce qu'on retrouve aujourd'hui. Les matériaux ont changé. Évidemment, aujourd'hui, on peut utiliser des aciers et des choses comme ça, mais on se sert des mêmes outils. On a des scies à pierre, comme les Égyptiens en avaient, on a des forêts, comme les Égyptiens en avaient, on a des masses, on a des ciseaux. C'est vraiment tout l'arsenal d'outils que l'on retrouve dans les outils en pierre, des tailleurs de pierre qui le font de manière classique aujourd'hui. Lorsqu'on fait le lien entre les tailleurs de pierre ou le travail de la pierre égyptienne, celui du monde romain qu'on connaît très bien par des textes, celui du monde médiéval, et celui jusqu'au 19e siècle, avant l'arrivée du machinisme, on retrouve les mêmes formulations. Une des, une des questions qui est posée par un centre de, de chercheurs alternatifs, c'est l'impossibilité de, de creuser des vases en pierre dure. Parce qu'ils disent que ça demanderait des outils trop modernes en acier ou des points de diamant, etc. Euh, au contraire euh, les, 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 les techniques égyptiennes de creusement des vases durs sont parfaitement connues elles sont décrites dans des bas-reliefs elles ont été testées de manière expérimentale hein, et elles ne demandent pas de grandes difficultés c'est long Hein, parce qu'il faut user la pierre, hein, mais les forêts en cuivre, hein, avec en plus ce cuivre égyptien spécifique, qui est un cuivre qui est plus dur que le cuivre classique, parce qu'il contient un petit peu d'arsenic qui le confine à du bronze, hein, euh, permettent parfaitement de creuser ce type de vase. Une fois que vous avez fait la première carotte, vous allez détacher l'élément de pierre, et puis ensuite vous allez creuser l'intérieur, avec par exemple des silex de plus en plus gros qui vont permettre de faire le corps du vase. Ça ne pose aucun problème. Le, oui, en effet, le, le, pour l'outillage, on le connaît bien sûr euh, à travers, euh, comme je l'avais dit, les bas-reliefs et les outils qu'on a retrouvés, mais on a effectivement toutes les traces d'outils euh, sur, les, sur les pierres, hein, spécialement sur les, sur les, les, les structures euh, ou sur les objets non, fermi, non terminés, parce qu'effectivement, ils ont... Le polissage n'est pas terminé, par exemple, parce que la pierre est endommagée ou parce que euh, la commande n'a pas été honorée pour des raisons diverses et variées que l'on ne connaît pas. Mais ça nous permet effectivement de voir les traces d'outils, donc de voir euh, si ça a été coupé, si ça a été poli, et d'utiliser même des techniques euh, remarquables pour mieux comprendre ces traces d'outils, notamment la tracéologie, hein, qui consiste à euh, filmer... Euh, avec une, euh, euh, un microscope euh, électronique, hein, un balai électronique, hein, pour filmer les, 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 les mini-ministriures, et ensuite recomposer le type d'outils qui ont été euh, employés. C'est grâce, par exemple, euh, à ce type de technique qu'on a très bien compris comment les vases en pierre dure sont forés. Parce qu'on a fait de la tracéologie, on a vu les stries et on a compris que les stries correspondaient à des types d'outils que l'on a recomposés, par exemple, les fameux, fameux euh, forêts en cuivre creux hein, qui sont utilisés en Égypte. On l'a fait dans d'autres endroits, par exemple dans le monde mycénien. On a compris par exemple que les mêmes vases en pierre dure, eux étaient forés avec des outils, avec un abrasif euh, fort, parce que la, la tressologie a permis de, de montrer les, les traces de ces, de ces grains de sable, de ces grains de quartz, hein, qui ont permis le, le creusement du vase. En effet, hein, les, les chercheurs alternatifs mettent très souvent en avant l'idée d'une ancienne technologie ou d'une ancienne civilisation avancée, et pour ça, ça s'appuie sur les Atlantes et l'Atlantide. Hein, ils utilisent euh, le texte de Platon, hein, euh, deux textes de Platon, hein, dans le Timé et dans le Critias, hein, euh, qui mettent en avant cette fameuse civilisation atlante hein, euh, à l'époque. Alors, euh, Platon l'utilise comme un exemple, hein, il l'utilise comme un moyen d'appuyer son raisonnement, il ne l'utilise absolument pas comme une réalité. Et, euh, il essaye simplement de l'ancrer dans le temps, mais dans un temps qui lui est inconnu. Hein, c'est pour ça que dans les textes de Platon, euh, c'est mis très en avant. Il y a 10 000 ans, il y a une époque que lui ne connaît pas. Ça lui permet simplement de le reculer dans le temps et d'installer l'idée que eh bien, euh, ces Atlantes, hein, ce, ce, ce monde à, euh, atlantide, euh, a été un royaume très puissant à une époque que l'on ne pourrait pas aujourd'hui euh, connaître, hein, à l'époque de, de Platon, hein, donc au 5e siècle avant notre ère. Alors, quelle est l'idée de Platon qui est derrière Platon ne s'intéresse pas aux Atlantes en tant que tel. Il ne s'intéresse pas à savoir s'il y a une histoire des, des Atlantes ou pas. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer dans ses textes philosophiques le fonctionnement et la réalité des systèmes politiques. Hein. C'est un des centres d'intérêt de, chez Platon. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des centres. Et ce que veut nous montrer Platon avec les Atlantes, c'est que même si euh, un, une cité est très puissante et que son système politique est très au point, elle peut elle-même disparaître du fait de ses erreurs et notamment d'un terme typiquement Grèce, grec, pardon, qui est la démesure, hein, l'hubris grec, hein, euh, qui euh, entraîne cette démesure, la chute de la cité. L'histoire de de, 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 des Atlantes de Platon, c'est que les Atlantes ont envahi tout le monde, mais ont échoué devant les cités, les cités grecques, notamment Athènes, hein, mais que euh, leur démesure a entraîné leur destruction par les dieux. Voilà le, le, le schéma qui est mis en avant. Et ce sur quoi insiste Platon, ce n'est pas euh, qu'ils ont été très puissants c'est qu'ils ont été dans la démesure. Et ça, pour les Grecs du 5e siècle, c'est le plus important. Utilise l'Atlantide comme un moyen de montrer qu'il y a une grande civilisation très avancée qui existait et qui a disparu et qu'elle serait l'origine des, des grandes euh, civilisations, des grandes découvertes de cette époque là. La réalité des chercheurs alternatifs, hein, c'est qu'ils euh, se trompent de euh, lecture euh, du texte de Platon hein, et surtout, ils, le, euh, ils enlèvent son contexte. Hein. Quand on étudie un texte, on étudie son contexte, c'est-à-dire tout l'environnement qui est autour du texte, c'est-à-dire quand est-ce que Platon l'écrit, où il l'écrit, pourquoi il l'écrit. Et les chercheurs alternatifs enlèvent ça. Ça leur demanderait sans doute euh, trop de travail pour le faire. Euh, et du coup, ils vont euh, utiliser le texte de Platon totalement à l'envers de sa signification euh, classique. Platon, il veut nous montrer euh, comment fonctionnent les institutions et comment elles doivent fonctionner dans le monde des cités grecques. Il ne cherche pas à nous parler ni... De technologie, ni d'avancement, ni de puissance. Ce qui cherche à nous montrer réellement son objectif, c'est uniquement la question des institutions. Et là, il y a un dévoiement total de la part des chercheurs alternatifs qui font dire à Platon des choses qu'il ne dit jamais. Le transport des obélisques, évidemment, c'est très intéressant, parce que les obélisques sont des, des, des monolithes extrêmement lourds, hein, des pierres euh, d'un seul bloc extrêmement lourds, hein, euh, et puis relativement fragiles, hein, parce que comme ils sont très longs, évidemment, il faut faire un peu attention au, à son transport. Les Égyptiens eux-mêmes les ont euh, déjà déplacés entre les carrières et les sites dans lesquels ils ont exposé, et effectivement, à l'époque romaine, un certain nombre ont été pillés pour être transportés. Ce fameux obélisque du Latran est un excellent exemple qui nous permet de très bien comprendre comment les moyens sont mis en place pour euh, transporter une pierre d'une telle taille. Il a été récupéré en Égypte, transporté à Constantinople, et on a un récit hein, tout à fait remarquable qui nous explique comment il a été non seulement transporté, mais érigé à Rome. Hein, C'est un récit euh, qui euh, date du IVe siècle hein, et qui nous montre toutes les étapes et tous les efforts qui sont faits. Les techniques employées par les Romains sont quasiment celles des Égyptiens. Les Romains Disposent juste d'outils et notamment de machines un peu plus sophistiquées, hein, notamment des cabestans hein, qui leur permettent d'avoir un peu plus d'efforts. Mais euh, la technique d'érection hein, est exactement la même, la transports de transport et d'érection sont exactement les mêmes, euh, elles sont euh, fondées sur des moyens humains euh, et sur, euh, sur la force des bras. Enfin, il n'y a pas tellement d'autres choses. Et ça montre bien que de l'époque de, de euh, égyptienne à l'époque romaine, eh bien, euh, on savait transporter des blocs de très grande taille quand on s'en donnait des moyens. Et en l'occurrence pour l'obélisque du Latran, hein, l'empereur s'est donné les moyens de ce transport et donc a pu l'effectuer. C'est effectivement un argument qui est très souvent mis en place, à savoir qu'on ne serait plus capable de faire de telles réalisations, de telles constructions comme les pyramides d'Égypte. Cet argument euh, n'a pas beaucoup de sens en réalité. Nos moyens sont bien plus importants, nos techniques sont bien plus importantes, on est capable d'analyser et de travailler de manière beaucoup plus euh, solide hein, pour ce type de construction. D'autant que la pyramide euh, ou les pyramides en, en elles-mêmes sont extrêmement simples en termes de structure, hein, mis à part la structure interne qui est un peu plus complexe. Le reste, c'est en gros un amas de pierres. Et puis, effectivement, comme, euh, comme euh, tu le soulignes, hein, euh, le déplacement euh, de Philae ou d'Abou montre euh, notre maîtrise technique. Euh, à pouvoir redémonter et remonter un, un, une structure euh, égyptienne avec une, une grande facilité, avec des moyens euh, importants, des grues, etc., mais qui montrent que l'on serait capable de reconstruire la même si l'on voulait. Hein. Si demain on décidait de reconstruire les temples de Palmyre, on le ferait sans aucun problème. Ça ne pose aucun problème technique. Euh, et si demain euh, un, 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 un personnage quelconque voulait se faire une pyramide comme celle de Khéops, ils le feraient sans aucun problème, c'est techniquement très simple. Donc, de dire qu'ils avaient des techniques plus avancées qu'on qu aurait perdu aujourd'hui, est un argument qui ne repose sur aucune réalité de terrain. Dans, dans ces, dans ces euh, documentaires euh, alternatifs, euh, on met souvent en place des experts, qui sont des architectes d'aujourd'hui, hein, qui disent euh, de manière euh, extrêmement péremptoire qu'on ne serait pas capable de mettre en, en place euh, ces techniques. Euh, et de refaire ces mêmes structures. on est là dans ce qu'on pourrait appeler un biais professionnel. Hein. ces euh, architectes sont de, sont de très bons architectes euh, pour la plupart hein, mais ne connaissent rien à la construction antique. donc ils sont complètement dans l'anachronisme. Hein. ils n'ont pas étudié ces techniques là euh, et donc ils plaquent leurs connaissances par rapport à une structure qu'ils ne connaissent pas et pensent qu'il euh, faut utiliser des techniques équivalentes qu'eux ne maîtrisent pas. Lorsque l'on interroge euh, ces, ces experts hein, qui sont bons dans leur domaine, euh, on tend à leur faire dire ou à les instrumentaliser euh, pour leur faire dire des choses qui ne sont pas du tout dans leurs leur compétences réelles. Euh, Qu'ils n'ont pas étudié. Donc, ils vont voir un objet énorme, ils vont dire Oh là là, c'est extraordinaire, et ils vont dire bah, Moi, je ne serais pas capable de le faire, donc personne ne serait capable de le faire. Donc là, il y a vraiment l'usage euh, d'experts qui ne sont pas des spécialistes d'une question, hein, euh, que l'on va dévoyer, que l'on va employer euh, à mauvais escient, pour essayer de montrer que euh, les techniques anciennes sont trop complexes aujourd'hui. Évidemment que si vous voulez couper du calcaire euh, avec euh, une, euh, une scie mécanique euh, euh, ou une foreuse, vous allez beaucoup plus vite et ce serait beaucoup plus simple. Et en plus, vous pourriez euh, les, les, les sortir, les déplacer avec des moyens mécaniques. Ce serait bien bien plus simple aujourd'hui de le faire. Donc, c'est une espèce de, de, de vision complètement anachronique. D'autant qu'on montre à ces euh, experts des instruments euh, qui sont un maillet, un ciseau. Et, et ils se disent Ah oui, mais non, on ne peut pas faire, à, à faire avec ça. Ce n'est pas possible. Et évidemment, eux ne font pas avec ça. Eux, ils font avec l'ordinateur ils font avec le CAO. Et, 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 et leur technique n'a rien à voir avec, avec la leur. Mais ce n'est pas parce que leur technique n'a rien à voir que les techniques anciennes ne sont pas très bien maîtrisées. Euh, alors, le site de Tepe, c'est un site qui est en, en Turquie actuelle, hein, en Anatolie, qui est un site euh, qui date en gros euh, de, 10, de 10 000 euh, avant notre ère à 8 000 avant notre ère et qui est un site qui est tout à fait remarquable, parce qu'on y retrouve ce qu'on appelle des structures collectives, en gros des maisons ou des éléments qui vont servir à une collectivité quelconque. C'est un site qui date de, euh, du Mésolithique et du début du Néolithique, hein, d'une période, alors euh, les archéologues appellent ça le PPNA, pré-potterie néolithique type A, hein, jusqu'au PPNB. Euh, qui montre une proto-sédentarisation, le début d'une sédentarisation, avec euh, encore euh, l'importance de la chasse et de la pêche, euh, et de la cueillette, pardon, euh, pour ces populations-là. Le site euh, étonne beaucoup de par euh, ces piliers verticaux, hein, qui font penser qu'il y avait un effort extraordinaire, qu'il y avait même, pour certains, une utilisation très avancée, euh, qui euh, étaient les seuls à faire cette, euh, euh, ce type de, de structure. La réalité est toute différente, hein, euh, Goblit tépé fait partie d'un nombre de sites importants de la région euh, qui montrent ce type de structure euh, collective où les gens se réunissaient sans doute pour des rituels euh, saisonniers liés euh, à la chasse ou à la cueillette ou peut-être euh, à d'autres éléments. Et euh, il n'est qu'un site parmi les autres, hein. il n'est pas du tout un site étonnant et il n'est pas, comme le pensent certains, euh, le début de la civilisation ou la fin euh, d'une autre civilisation. Les autres sites étant notamment euh, Moureybet, hein, euh, qui est un peu plus au sud, euh, ou euh, Amar el-Jarf, hein, qui ont été très, très bien étudiés, comme l'ITP, dans les années 90 et 2000. La datation de Göbekli ne pose aucun problème. Euh, L'équipe euh, du professeur Schmidt, euh, qui a fouillé sur Göbekli a retrouvé suffisamment euh, de restes euh, qui ont été analysés au carbone 14 hein, et qui de donner une datation extrêmement, extrêmement euh, sûre hein, euh, du site. Hein. Encore une fois, entre 10 euh, et 8000 avant notre ère à peu près. La datation Carbone-14 est, est un système de datation euh, physico-chimique hein, qui a été inventé dans les années 50 hein, et qui permet euh, de euh, calculer les restes de Carbone-14. Le Carbone-14 est un isotope du carbone, le carbone étant 12 euh, en termes de numéro atomique, hein, euh, ce qui euh, euh, permet effectivement de euh, donner une datation. Alors comment ça fonctionne chaque être vivant, euh, lors de sa vie, produit du carbone 14 hein, de manière naturelle euh, qui se fixe sur le corps. À la mort, ce carbone 14 euh, finit par euh, s'évaporer, se partir petit à petit, se, se dissoudre, hein, en fait se retransformer euh, en carbone 12. Hein, et il suffit de calculer la quantité de carbone 14 qu'il reste dans le corps hein, pour euh, avoir euh, une idée du temps. Alors, il suffit de. Évidemment, ça demande des moyens physico-chimiques compliqués. Et puis ensuite, il faut les calibrer parce que le carbone 14 ne se dissout pas de la même manière, euh, quels que soient les, les types euh, d'endroits, euh, euh, la chaleur, euh, le type de reste euh, qui se met en place. Mais on a des tables de calibration qui sont révisées de manière euh, permanente, hein, permettant effectivement de connaître les, les datations. Le carbone 14 est extrêmement extrêmement utile pour faire des datations. En gros, du 19e siècle euh, jusqu'à 50 000 avant notre ère. Au-delà de 50 000, on ne se sert plus du carbone 14, on a d'autres techniques. Donc, pour la période de globalité P notamment, euh, le carbone 14 est parfaitement, parfaitement euh, utilisable. Le carbone 14 est un des moyens que l'on emploie, mais on a d'autres moyens. Euh, par exemple, la thermoluminescence qui s'applique aux céramiques euh, ou euh, d'autres techniques euh, qui sont utilisées. Évidemment, les archéologues emploient tous les moyens disponibles et les croisent, hein, ce qui permet de bien affiner, par exemple, les techniques au carbone 14 et de refaire bien les, les tables dont on a besoin euh, pour les ajuster. Donc, toutes ces techniques sont maintenant très au point et nos, notre écart euh, de datation euh, diminue chaque fois. Et en effet, un certain nombre d'auteurs euh, insistent sur le fait qu'il euh, y aurait une archéologie officielle qui cacherait aux yeux du public euh, un certain nombre de sites euh, qui seraient euh, dérangeants. Et parmi ces sites, effectivement, il y a des sites en Égypte, hein, comme Abu Ghraib ou, ou Aboussir. Hein. Alors, ces sites ne euh, sont pas cachés du tout. Ils ont été fouillés, ils ont été refouillés. Une équipe d'archéologues, si elle veut s'y rendre, euh, pourrait, pourrait probablement s'y rendre, hein, si elle a un projet de fouille particulier. Euh, et donc, il n'y a absolument pas d'éléments qui soient particulièrement cachés. Hein. Il y a d'autres exemples hein, qu'on peut donner. Hein. Par exemple, aujourd'hui, lorsque vous vous rendez l'île de Pâques, eh bien, euh, il y a une carrière d'obsidienne hein, qui, qui est très bien connue et qui a été fouillée par les archéologues. Hein. Aujourd'hui, elle est fermée au public. Bon, elle n'est pas fermée au public parce qu'il y a des choses cachées dedans. Elle est fermée au public parce que euh, les autorités de l'île de Pâques n'ont pas aujourd'hui les moyens d'encadrer ou de protéger le site. Et euh, comme le site pourrait être endommagé euh, par euh, des, des touristes, eh bien, le site est simplement fermé. Et c'est le même cas euh, pour un certain nombre de sites égyptiens qui sont euh, fermés pour des raisons purement euh, techniques et conjoncturelles, et pas du tout euh, pour cacher un savoir particulier. En effet, lorsque, lorsque un site est visité, et, et malgré les, les mesures qui sont prises aujourd'hui pour les protéger, hein, on a des dégradations. On a des dégradations, je dirais naturelles, parce que le fait d'avoir euh, des centaines de gens sur un site fait qu'on euh, va tasser, on va, pusher, on va on va bouger les, euh, les éléments, euh, les structures qui sont sur place. Mais euh, on a également euh, des dégradations euh, parce que euh, des personnes vont, euh, par exemple, euh, sortir des lignes, euh, se mettre dans des endroits interdits, euh, toucher des pierres euh, qu'il ne faut pas et qui finissent par, le, par les dégrader. Hein. Et lorsque l'on est sur ces sites-là, eh euh, très souvent, euh, les archéologues vont d'ailleurs dire aux, aux personnes qui n'ont pas le droit de faire euh, ce type d'action. Euh, et cette dégradation fait que les autorités culturelles d'un pays, si elles veulent conserver leurs biens culturels, vont protéger ces sites et ou enfermer certains pour justement qu'ils ne soient pas dégradés. Le disque de Sabou euh, est en effet un objet hein, euh, que certains appellent à new part, hein, une espèce d'objet qui n'aurait pas sa place euh, dans l'histoire hein, et serait considéré comme mystérieux. C'est un disque qui était découvert dans la tombe de Sabou, hein, qui est en schiste, hein, et dont on dit qu'il aurait une forme aérodynamique, je mets des guillemets bien sûr, hein, euh, et donc il aurait un usage peut-être mécanique. En réalité, euh, le Dizousabou est effectivement un objet assez unique, assez parfait, euh, dans, sa, dans sa forme, hein, assez étonnant, hein, dont on ne connaît pas l'usage. Mais parfois, on ne connaît pas l'usage des objets qu'on trouve, hein, ça peut arriver. Euh, en revanche, euh, il est parfaitement dans son époque, parce que depuis la période Nagada II, 3500 avant notre ère à peu près, eh bien, euh, les Égyptiens se servent du schiste comme d'une pierre tout à fait remarquable hein, pour des objets divers et variés, taillés. Notamment des palettes euh, en schiste qui sont connues dans les tombes Nagada II, Nagada III, pré, euh, de l'époque tinite et de l'époque euh, proto-pharaonique. Donc, c'est un objet probablement élitaire, dont la fonction est aujourd'hui inconnue, euh, mais qui est parfaitement euh, dans les techniques euh, de l'époque. La vallée des rois est une, euh, est une vallée qui est utilisée euh, comme un, une nécropole euh, à l'époque, euh, surtout du Nouvel Empire, euh, parce que les capitales égyptiennes se sont déplacées. Et que la capitale de l'ancien empire c'est autour de Memphis, hein, c'est-à-dire euh, plutôt en, en basse Égypte, hein, au niveau du delta, au, au niveau du début du delta. Et euh, à partir euh, de, du Moyen Empire et surtout euh, après l'invasion hyksos eh bien la capitale s'est déplacée à Thèbes, euh, donc euh, beaucoup plus euh, au sud. Et euh, relativement naturellement, eh bien euh, les pharaons au lieu de se faire enterrés dans les anciennes nécropoles, euh, ont choisi de créer une nouvelle nécropole en face de Thèbes, hein, qui s'appelle la vallée des rois, avec, comme vous le savez, un secteur pour les souverains, pour les rois, un secteur pour les reines, et puis un secteur pour les élites hein, qui sont à côté. Euh, ce sont des secteurs qui ont été très bien fouillés et qui nous apportent énormément, notamment parce que l'on a également fouillé des, des villages, des ouvriers et des artisans euh, qui ont travaillé dans ces vallées, hein, et qui nous ont permis également de comprendre les nécropoles de ces ouvriers. En effet, il y a une très grande différence entre les nécropoles de l'Ancien Empire et un peu du Moyen Empire avec ces grandes pyramides, dont tout le monde savait qu'elles étaient effectivement des tombes et qu'elles contenaient des trésors, et donc qui ont été quasiment toutes, non pas quasiment, enfin toutes pillées. On n'a pas retrouvé d'objets ou très peu d'objets dans ces, dans ces pyramides, hein. à la différence de la Vallée des Rois, où euh, les tombes, hein, donc ce qu'on appelle les hypogées, hein, sont euh, placées à flanc de montagne et sont effectivement plus discrètes. Alors, la plupart de ces tombes ont été pillées. Euh, on a eu la chance euh, dans les années 20 de découvrir la tombe de Toutankhamon, qui est un pharaon euh, qui ne doit sa, sa notoriété qu'à sa tombe, parce qu'en tant que pharaon sur les textes il est extrêmement discret, hein, euh, avec une période très troublée. Hein. Mais effectivement cette pyramide était cachée, cette, pardon, cette, euh, cette, ce tombeau a été caché par un autre tombeau, ce qui a permis euh, qu'il ne soit pas pillé, et cette découverte euh, a permis de relancer tout un, un courant, toute une exaltation euh, autour de l'Égypte ancienne. Alors, l'excitation était plus ancienne que ça hein, parce que en gros l'égyptologie démarre avec euh, L'expédition d'Égypte de Napoléon, qui donne tout un courant égyptologique, euh, une passion égyptologique euh, jusqu'aux années 1820-1830 et, et un peu au-delà. Hein. Euh, on retrouve par exemple dans des villes comme Londres ou comme Paris hein, euh, des, euh, des copies ou des objets qui ressemblent à l'Egypte. Hein. On met des petits sphinx, on met des choses comme ça. Ensuite, il y a toute une période d'égyptologie, euh, disons, de, 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 de pillage, hein, ou euh, en tout cas de prédation, où euh, on va récupérer euh, des trésors en Égypte pour euh, nourrir les, les musées européens. Euh, avant que l'Égypte ne redevienne vraiment euh, une, euh, une science archéologique un peu plus, un peu plus poussée, un peu, un peu plus euh, précise, fin 19e mais surtout au début du 20e siècle, hein, euh, autour notamment euh, de personnages comme Flinders Petrie. La découverte. De, tout, de la tombe de Toutankhamon a relancé cette, cette, euh, cette passion pour l'Égypte dans le grand public parce qu'on a montré la richesse euh, la, de, de l'Égypte avec des objets extraordinaires, euh, le masque pharaonique, euh, les sandales, euh, le poignard, euh, tous ces objets qui ont fait que l'Égypte est passée euh, de quelque chose de lointain et mystérieux à quelque chose de euh, magique euh, et d'extrêmement riche. Le, le, les les chercheurs alternatifs utilisent beaucoup le terme de précision. Et c'est un terme qui est, alors là, pour le coup, totalement dévoyé. Euh, la précision n'existe qu'à partir du moment où on a des instruments de mesure. Sinon, on ne peut pas calculer la précision, donc on n'a pas de valeur. Hein, il faut savoir que, par exemple, dans le monde romain, il n'y a pas de terme pour définir la précision. Hein, le terme le plus proche est Kertis, hein, qui veut dire que c'est proche, que c'est conforme. Hein. Kertis, ça veut dire conforme. Donc, dire... Que c'est euh, extrêmement précis, ça n'a aucun sens. Alors d'autant plus qu'effectivement, euh, une grande partie des chercheurs alternatifs imaginent des civilisations imagine extrêmement avancées, donc capables euh, d'avoir des instruments de mesure, hein, euh, qu'ils n'ont pas et qu'on n'a pas montré. <coughs> en effet, dans le, dans le monde égyptien, euh, il reste beaucoup euh, d'objets qui sont euh, pas aussi parallèles, aussi symétriques qu'on qu qu veut le faire croire. Euh, certains ont employé des techniques de photogrammétrie en disant, voyez, euh, c'est exactement l'axe, ce n'est pas possible si on n'a pas euh, une notion de la précision. En réalité, lorsqu'on observe de près ces objets, ils ne sont pas du tout avec ce niveau dit, entre guillemets, de précision, hein. euh, les, 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 les parallèles ne sont pas sont parfaits. Hein. En revanche, euh, les, les sculpteurs égyptiens ont une technique suffisante, une maîtrise suffisante et un système de dessin suffisant, parce qu'ils travaillent ces systèmes de grilles hein, pour euh, constituer un, euh, soit un bas-relief, soit une statue, hein, qui leur permettent euh, de positionner euh, les yeux, les oreilles, euh, le nez, hein, de manière suffisamment euh, bien pour qu'on ait cette impression de parallélisme. Mais la réalité n'est pas là. Et effectivement, euh, si on imaginait des techniques aussi avancées qu'aujourd'hui, on n'aurait pas ces défauts dans les, euh, dans, les, dans les statues grecques ou les statues euh, égyptiennes par exemple. Les côtes à pencher, c'est euh, une notion qui a été en grande partie développée par, par Francis Mazière dans les années 60. L'idée est de montrer que les, un certain nombre de grandes civilisations, ou en tout cas de grandes structures, de grands objets, sont liés entre eux dans le temps et dans l'espace, et que euh, ce qui prouve le lien, c'est qu'ils sont placés sur une même ligne. Ça n'a aucun sens. Ça n'a réellement aucun sens, parce que ni Francis Mazière, ni des successeurs ne sont capables de montrer des liens culturels. Euh, sociétaux, voire techniques, euh, entre eux, euh, ces différentes structures. Je ne parle même pas des liens chronologiques qui sont totalement inexistants. Donc, en gros, on a placé des objets significatifs, alors l'île de Pâques, euh, les pyramides de Gizeh, par exemple, hein, et puis euh, on a tiré une grande ligne entre ces objets, et puis on a pris tout ce qui était euh, dans cet axe-là en disant bah, voilà, tout ce qui est de, dans, cette, euh, dans ce hein, et bien, euh, ce sont euh, des, des structures ou des civilisations qui sont liées entre elles. En réalité, on n'a aucun, aucun élément permettant de le, de le démontrer. Il y a deux énormes biais. Le premier, c'est qu'on pourrait créer plein d'équateurs planchers différents. Hein, il suffit de prendre deux objets et puis de voir ce qu'il y a dessus. Et ensuite, plein de structures absolument remarquables sont en dehors de, de l'équateur plancher. Euh, par exemple, pourquoi euh, Borobudur, plus grande stupa euh, du monde, euh, du monde euh, bouddhiste, ne serait pas sur les côtes à euh, Pourquoi euh, Stonehenge, euh, une des structures les plus euh, fameuses de la proto-histoire, ne serait pas sur les côtes à pencher. Et on pourrait en citer euh, un, un grand nombre. Euh, Teotihuacan, euh, évidemment, Teotihuacan, évidemment, d'autres structures, structures en, en Asie plus au nord, euh, des villes aussi importantes que, que Rome, euh, qu'Athènes, rien n'y est. En plus, effectivement, pour je dirais, brasser large, euh, un ensemble d'auteurs euh, vont euh, dire que l'équateur penché, ce n'est pas une ligne, mais euh, c'est euh, une espèce de, de ruban de 300 km euh, de, de, de large, ce qui permet effectivement euh, d'englober de, un, un grand nombre d'objets et par exemple de, de mettre encore hein, dans l'équateur, alors qu'il n'est pas tout à fait sur cette ligne-là. Valider l'idée de l'écot à pencher, ou en tout cas de lien technologique ou de société entre euh, ces, ces, euh, ces structures, euh, certains avancent l'idée que les Égyptiens seraient allés en, en Amérique centrale. Alors, c'est encore une fois, pas une thèse qui est nouvelle, hein, c'est une thèse qui a été développée euh, il y a un certain temps, notamment euh, dans les années, euh, années 60-70, hein, euh, euh, pour des raisons diverses et variées, hein, euh, qui tendraient à, à le montrer. Alors, cette thèse ne repose sur rien en réalité, parce que ni les études technologiques, euh, ni les études ADN ne montrent qu'il y a de lien entre les populations. Euh, de même, les études linguistiques montrent qu'il n'y a aucun lien entre populations d'Amérique centrale, par exemple, et populations égyptiennes. Ensuite, euh, les bateaux égyptiens euh, qui sont capables... Euh, de naviguer en Méditerranée, euh, en mer Rouge euh, ou euh, sur le Nil n'ont pas la capacité de traverser l'Atlantique, hein, qui sont compliqués. Donc là, le lien est absolument, euh, absolument nul. Hein. Euh, et puis après, on, on peut se poser plein de questions. Hein. Si les Égyptiens étaient arrivés jusqu'en Amérique centrale, euh, pourquoi on ne trouve pas de traces d'Égyptiens dans les Caraïbes euh, Et puis, il y a des problèmes de datation. Euh, les, les Égyptiens, euh, la fin de la, la, la culture égyptienne, euh, c'est euh, après Alexandre le Grand, donc euh, qui est mort en 323 avant notre ère. Hein, euh, le développement des mayas c'est après le IIIe siècle de notre ère. Donc vous voyez, il y, y a en plus un problème de datation qui est extrêmement important. Donc ce lien n'a aucun sens, hein, euh, et euh, placer euh, ensuite les sites d'Amérique du Sud sur l'équateur penché lié au L'Égypte n'a non plus euh, absolument aucun sens et aucune réalité. L'idée que les Égyptiens soient allés sur l'île de Pâques par rapport au Pérou a encore moins de sens. Euh, on a montré des liens euh, entre euh, le, le monde polynésien et le monde sud-américain. Hein, on sait tout à fait qu'il euh, y a eu des contacts. Euh, et on le sait parce qu'on a, on a des études un peu sérieuses dessus. Hein, pas simplement parce que euh, c'est prêt et que euh, ça permettrait de, de valider. Euh, notamment ces contacts autour de la patate douce. Hein, parce que la patate douce est originaire d'Amérique du Sud. Euh, elle a le même terme, on dit le même terme, Kumara Kamote, euh, entre l'Amérique du Sud et le monde polynésien. Et donc on pense que les Polynésiens, qui sont des très grands navigateurs, et ça on, on le démontre par un nombre de choses, euh, auraient pu euh, toucher euh, les îles, pardon, le continent euh, sud-américain. En revanche, l'inverse est faux. On a, on, on, les les, les Sud-américains ne sont pas des grands navigateurs, hein, et malgré l'expérience euh, de Riedal, euh, au, au temps Kikiti, ça n'a jamais pu être réellement démontré hein, sur leur technique de, de navigation. Alors dire que les Égyptiens sont allés jusqu'à l'île de Pâques, euh, ça ne repose sur absolument aucun élément concret, aucun élément sérieux. Hein. Euh, la seul euh, élément sérieux qui est parfois mis en avant, euh, c'est de dire que les techniques architecturales seraient, seraient les mêmes, mais même ceci est très peu valable, euh, d'autant que on ne comprend pas du tout les, 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 les figures de style, par exemple. Hein. pourquoi? Euh, on trouverait à l'île de pâques euh, des têtes humaines. Hein, les moaïques sont des têtes humaines hein, et pas euh, des dieux avec des têtes animales, comme on en trouve en égypte. donc, les liens sont absolument, absolument euh, euh, creux, vides, euh, sans, aucun, sans aucun, aucune réalité de terrain. Les montages qui sont faits, euh, effectivement, montrant des, des équivalences de type de structure entre euh, encore un mur de l'île de Pâques, hein, celui de Vinapu, euh, les murs du Pérou et euh, les murs égyptiens, et on pourrait en mettre d'autres, hein, euh, Persépolis, les murs mycéniens. Hein, euh, tout ceci euh, montre une certaine fumisterie euh, en, termes, en termes intellectuels. Euh, le fait de déplacer des pierres lourdes et de les assembler. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, complexe en soi. Ça demande du travail, ça demande des techniques, hein, mais ça ne veut pas dire que si deux assemblages sont pareils sur deux continents différents, ces deux continents diffé différents ont eu des liens. Hein. Ce serait, euh, par exemple, euh, se dire que eh bien, euh, la, la céramique inventée en Chine, euh, euh, autour de 17 000 avant notre ère, hein, elle serait partie de là, elle aurait été diffusée partout dans le monde. Et on sait que c'est faux. On sait que, on sait par des datations, par exemple, la céramique a été inventée en Chine et puis elle a été inventée à un autre moment euh, en Amérique euh, centrale, hein, bien plus tard, et puis entre les deux, elle a été inventée euh, en, en Mésopotamie. et au Il n'y a aucun lien entre les trois groupes. Donc, dire, regardez, ça se ressemble, hein, et dire si ça se ressemble, si c'est la même civilisation, ne repose encore une fois sur aucun, aucun élément. Euh, deux groupes de populations peuvent utiliser des, des techniques équivalentes à des endroits différents et à des périodes différentes, sans qu'il ait besoin de, que ces civilisations soient liées, parce que ces deux civilisations vont devoir répondre à la même problématique et que face à la même problématique, ils vont peut-être trouver la même solution, et pas toujours encore. Si on reprend l'exemple de l'île de Pâques, il y a un Aou essentiel, celui de Vinapou, qui comprend effectivement ces grandes pierres de taille euh, recomposées. Euh, comme tous les Aou de l'île de Pâques, cet Aou a été remonté hein, à un certain moment. Hein. Les autres Aou n'ont pas cette technique. Donc, on comprend mal le lien. Alors, certains disent, oui, mais c'est où le plus ancien. Il a été fait par les mêmes bâtisseurs euh, que les Murincas. Et ensuite, ceux qui ont essayé de l'imiter n'ont pas réussi à utiliser la même technique. Et donc, ils ont fait autre chose de moins bien. Alors, le moins bien, déjà, est une, un jugement de valeur. Hein. Le problème, c'est que cet Aou n'est pas le plus ancien de l'île de Pâques. Et ça a été parfaitement démontré, notamment par les carbone 14. Hein. C'est un des aou euh, qui appartient à la pre premier tiers, première moitié de l'occupation de l'île de Pâques. Ces, euh, ces éléments euh, différents euh, et ces techniques différentes en disant oui, euh, ils ont la même construction en Égypte euh, qu'à l'île de Pâques euh, ou, euh, ou encore euh, qu'au Pérou. Hein. C'est comme se dire euh, ah oui, mais euh, ils sont habillés euh, à l'île de Pâques, ils sont aussi habillés en Égypte et ils sont assez habillés au Pérou, ils ont forcément un lien. Non, ils sont habillés parce qu'il fait froid et qu'effectivement, euh, il faut trouver un moyen de se protéger du froid et que l'habit est la meilleure solution. Et c'est la solution la même pour tous. Euh, ce qu'on qu sait de l'île de Pâques, euh, effectivement, est, est tout à fait passionnant parce que l'île de Pâques est, est un objet remarquable. Alors, l'île de Pâques est connue par les Occidentaux depuis le XVIIIe siècle, et donc les connaissances, elles datent entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui. Ce que l'on sait, euh, on le sait parce qu'il y a eu des campagnes de fouilles archéologiques récentes dans les années 60-70 et encore plus dans les années 90 et 2000 qui nous permettent de mieux comprendre euh, la structure sociale et le système de fonctionnement de l'île de Pâques, et qu'en plus sur l'île de Pâques, il y a un certain nombre de euh, chantiers archéologiques qui permettent de très bien savoir, notamment la carrière d'obsidienne ou la carrière dans laquelle sont sortis les morilles. Et tous ces, toutes ces structures, tous ces chantiers donnent une connaissance assez fine de la société de l'île de Pâques. La position de l'île de Pâques également, on la connaît bien, euh, parce que euh, les fouilles archéologiques et les études linguistiques ont permis de lier l'île de Pâques au monde polynésien. Et donc on a pu comparer la conquête, entre guillemets, ou l'occupation de l'île de Pâques avec d'autres conquêtes et occupations par les polynésiens. Par exemple, de Hawaï ou euh, de la Nouvelle-Zélande. Donc, ça nous a permis d'établir une chronologie et on sait que, en gros, entre le 4e siècle et le 10e siècle de notre ère, eh bien, les Polynésiens ont connu une période d'expansion, sans doute liée à des modifications climatiques, hein, qui euh, leur ont fait parcourir euh, l'océan euh, Pacifique euh, de manière importante hein, et que, dans, cette, euh, dans ces parcours, ils se sont arrêtés sur des îles qui sont colonisables, les plus grandes, dont euh, Hawaï. Euh, dont l'archipel d'Hawaï, dont l'île de Pâques et dont la Nouvelle-Zélande, et, et donc qu'ils ont atteint probablement autour de 900 ou 2000 de, de notre ère. Voyagerdale est, est un passage tout à fait intéressant, tout à fait fascinant, euh, dont l'apport à la recherche est, est loin d'être négligeable. Hein, euh, bon, mais c'est quelqu'un qui s'inscrit un tout petit peu euh, comme euh, euh, M. Charroux ou, ou Mazière, à savoir d'être plus un aventurier archéologue qu'un archéologue, au sens du terme. Euh, en ce sens qu'il part sur une idée et il n'estime qu'en réalisant cette idée, il démontrera qu'elle est valable, hein, ce qui n'est pas du tout une technique archéologique. Son idée, c'est qu'en gros, la colonisation, elle s'est faite. Euh, d'ouest, euh, pardon, d'est en ouest. Hein. Et évidemment, euh, là-dedans, il y a un propos hein, euh, très euh, européocentré centré euh, au départ. Et donc, il va démontrer que, il va essayer de démontrer que la Polynésie euh, n'a pas été colonisée par des Polynésiens venus d'Asie, mais plutôt par euh, des gens qui viennent euh, d'Amérique du Sud. Il va pour cela euh, imaginer, parce qu'il n'a aucun élément réel, euh, un, un bateau euh, formé avec des techniques andines et qui serait capable d'être transpacifique. Et ce bateau, eh bien, euh, il va le gréer et montrer qu'effectivement, on peut aller d'Amérique du Sud en Polynésie. Alors, il l'a effectivement montré, puisqu'il est arrivé avec grande difficulté. Hein, Thorey Gardal a failli laisser sa vie hein, dans, ce, dans cette aventure. Mais cette démonstration n'est pas suffisante pour, le, pour, pour que ce soit une démonstration archéologique. Parce que, dans sa démonstration, il néglige les questions techniques, les questions rituelles, les questions linguistiques. Hein, par exemple, il n'est capable de montrer euh, des liens entre les langues quechua, euh, les langues incaïques, hein, euh, et les langues polynésiennes. Et évidemment, euh, cela montre qu'il n'y a aucun lien culturel entre les deux. Hein, et le, encore une fois, le seul lien qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est autour de la patate douce. Hein, euh, donc, c'est un, un, un petit échange. La question de l'alignement des cités était extrêmement intéressante, et à partir du moment où euh, les, les, les groupes humains se sédentarisent, euh, on peut penser qu'effectivement ils ont observé le ciel et ont peut-être cherché euh, à mettre en place des alignements. Euh, cette euh, volonté d'alignement euh, répond sans doute à certains moments, pas toujours, il y, y a un certain nombre d'alignements qu'on ne comprend pas, on sait qu'ils existent, mais on ne comprend pas, euh, à des notions rituelles. À savoir, peut-être que si on s'aligne vis-à-vis euh, -vis de, de, de tel astre, ou si on s'aligne euh, au milieu, entre, euh, au, moment, au moment des équinoxes, euh, au milieu, euh, il y a une signification rituelle qui est mise en avant. Mais, euh, comme, euh, comme pour les vêtements, on peut dire que, à partir du moment où les personnes, euh, où les sociétés commencent à observer euh, le ciel, euh, ils vont retrouver les mêmes phénomènes, et vont euh, s'appuyer sur les mêmes phénomènes, notamment pour euh, aligner euh, des, des objets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces éléments peuvent changer, peuvent être variables, euh, ne répondent pas forcément aux mêmes observations. Par exemple, à certains, on va plutôt observer le, le, le soleil au lever, au coucher, aux équinoxes, et puis d'autres, on va observer une étoile ou un groupe d'étoiles euh, qui, qui, qui est remarquable. Euh, parfois, même d'autres éléments. Par exemple, euh, les Olmecs sont orientés à 8 degrés du, euh, du pôle magnétique, hein, euh, probablement parce qu'ils ont observé un système d'étoiles particulier. C'est une, une question que les archéologues se posent et qui a permis le développement euh, d'une nouvelle branche en archéologie hein, qu'on appelle euh, l'archéoastronomie, qui reste aujourd'hui euh, délicate à employer parce qu'elle euh, ne s'appuie que sur des observations actuelles et donc sur des déductions qui restent euh, sujettes. À questionnement. Euh, néanmoins, euh, elles, elles ont un apport tout à fait intéressant euh, sur euh, les questions de rite, de rituels, dans les euh, périodes anciennes, euh, que ce soit la proto-histoire, c'est-à-dire avant l'invention de l'écriture, ou euh, dans les euh, périodes plus récentes, hein, euh, égyptiennes, mésopotamiennes, euh, méso-américaines, hein, euh, parce qu'elles permettent de, de montrer que, effectivement, les populations euh, se sont liées à leur environnement, et notamment à leur environnement stellaire. En revanche, il est très compliqué aujourd'hui de répondre de manière affirmative euh, les raisons de ces alignements, euh, d'une part, et d'autre part, euh, leurs leur conséquences réelles. C'est-à-dire que euh, dire aujourd'hui que les pyramides sont alignées sur un groupe d'étoiles, c'est une hypothèse, euh, mais rien ne permet de le démontrer. Euh, dire également que le, les pyramides sont alignées sur des étoiles parce que ça correspond à un système euh, de, de zodiaque, Là, euh, même chose, c'est une hypothèse qui reste euh, par ailleurs relativement discutable parce que les premiers zodiaques ne sont vraiment mis en place en Égypte euh, qu'à la toute fin de la période ptoléamique. Donc là, on, on est sur des, des, des conjonctures un, un peu... Certains chercheurs alternatifs ont effectivement un lien, euh, si ce n'est pas l'Atlantide, avec, avec des extraterrestres ou avec un monde euh, extraterrestre. Alors. Euh, ce lien, encore une fois, il est tout à fait de guys c'est-à-dire qu'on peut le faire aujourd'hui parce que, euh, évidemment, on, on est dans une phase en, sur la Terre hein, où on a commencé à, à, à une conquête spatiale, en tout cas de notre environnement euh, tout à fait immédiat. Et ça permettrait à ces chercheurs alternatifs de donner une question globale euh, à la civilisation en général euh, et à la civilisation égyptienne ou mésopotamienne pour d'autres hein, euh, en particulier. Avec l'idée... Que il y a eu une transformation radicale à un moment de notre histoire, en gros au début du néolithique, et que cette explication ne peut s'expliquer que par un apport extérieur. Et les extraterrestres servent d'apport extérieur, comme les Atlantes pour d'autres, servent d'apport extérieur. Et c'est ce biais-là qui est employé. Rien ne le démontre sur le terrain, évidemment, parce que, encore une fois, les, les archéologues s'appuient sur le terrain, on n'a trouvé euh, aucun objet. Euh, qui puisse vraiment euh, euh, être significatif d'une situation extraterrestre euh, autour de 10, de 12, 10 ou 8 000 avant notre ère, euh, sur les fouilles actuelles. Alors les chercheurs alternatifs vont dire oui, mais on en trouvera peut-être un. Alors, dire qu'on en trouvera peut-être un, euh, c'est faire ce qu'on appelle euh, un appel à l'ignorance, en disant que c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé qu'on ne trouvera pas, sauf qu'en archéologie, on parle de ce qu'on a trouvé, pas de ce qu'on pourrait trouver. Sinon, on reste dans une hypothèse, et une hypothèse qui est en général extrêmement vaseuse. Très souvent, on, on apporte en, en, en archéologie, euh, par les chercheurs alternatifs, ce qu'on appelle des zooparts, c'est-à-dire des objets qui n'auraient pas euh, possibilité technologique euh, d'être à un endroit. Euh, certains, effectivement, ne sont pas expliqués. On ne connaît pas la fonction, mais l'archéologie n'est pas capable encore de tout expliquer, et puis peut-être qu'elle n'expliquera pas tout. Hein. On pense au, au disque de Sabou, euh, par exemple. Hein. D'autres, en revanche, sont très clairement des objets qui ont été apportés ou inventés à une période euh, plus récente, hein, et qui sont euh, décontextualisés ou replacés dans un temps passé qui est faux. Hein. C'est le cas euh, des Pierdicas, euh, c'est le cas euh, de, euh, des, des, des textes de Glosel hein, et c'est le cas euh, des, euh, des pétroglyphes de, de Gosford. Alors, commençons par les Pierdicas. Les Pierdicas, ce sont des, des, dans un ensemble. De, de, de petites pierres sculptées qui représenteraient euh, des dinosaures et euh, qui euh, font dire à certains eh bien que les hommes sont bien plus anciens euh, qu'on euh, on le croyait ou les dinosaures beaucoup plus récents qu'on le pense euh, parce que euh, seuls des hommes auraient pu euh, sculpter des, ces piadicas. Ces piadicas sont clairement des faux hein, qui ont été inventés hein, à une époque où euh, les techniques de certifications et techniques de vérification de l'archéologie étaient encore très légères. Hein. Et, et des exemples comme ça, on en a euh, un nombre extrêmement important, euh, notamment en, en Amérique centrale. On, on peut citer euh, évidemment les, les, les crânes de cristal, hein, par exemple, euh, ou euh, les pseudo-tablettes euh, euh, de Tote d'Atlante, hein, qui n'ont absolument aucun sens, hein, et qui sont des inventions euh, par euh, récentes hein, de gens qui ont voulu faire croire à ces liens, pour des raisons essentiellement financières hein, en général. Euh, Glosel, c'est un, un cas tout à fait intéressant, et c'est un cas qui est intéressant à deux titres. C'est un faux, hein, c'est-à-dire euh, c'est euh, un groupe d'archéologues, euh, à l'époque il n'y avait pas vraiment d'archéologues au sens qu'on l'entend aujourd'hui du terme, hein, euh, qui ont trouvé des objets anciens hein, dans, un, dans un champ à Glosel, et euh, eh bien, euh, certains ont rajouté des objets, notamment des objets écrits, hein, euh, pour montrer que les écritures étaient à la fois plus anciennes que ce qu'on connaissait à l'époque, hein, et en plus européennes. Donc là, on est dans un double biais, le premier européocentriste, en disant ça ne peut pas être des gens euh, du Moyen-Orient, euh, en Égypte ou en Mésopotamie, qui ont été les premiers à avoir l'écriture, euh, d'autant que ces gens sont aujourd'hui sous nos domination euh, de nous coloniaux, hein, dans les années 20. Euh, et puis euh, de montrer également que ces écritures sont très anciennes et que c'est l'Europe qui est le foyer de la civilisation. Donc on voit bien euh, l'objet. À l'époque de ces fouilles, hein, de Glosel, hein, les moyens euh, archéologiques de vérification n'étaient pas aussi fins qu'aujourd'hui. Hein. Euh, très rapidement, les archéologues, à commencer par l'Alébreuil, hein, qui, qui est un des papes de l'archéologie française, euh, ont montré que ces objets étaient des faux, notamment les céramiques hein, euh, étaient fausses. Hein, mais surtout, dans les années 80-90, ces objets ont été repris hein, à la demande euh, de chercheurs et à la demande de certains même, hommes politiques. Hein, et on a démontré très clairement euh, que là, on avait des objets qui avaient été forgés, hein, donc euh, inventés hein, de toutes pièces hein, euh, à Gloselle. Euh les, les pétroglyphes de Gosford sont un peu dans ce même ordre d'idées. Sauf que, euh, eux, ce ne sont pas des faux au sens du terme, hein, simplement, c'est un déplacement. Ce sont des pétroglyphes qui représentent euh, des, euh, des hiéroglyphes égyptiens qu'on a retrouvés en Australie. Et euh, qui a fait dire à certains bien que les Égyptiens étaient allés euh, jusqu'à l'Australie à l'époque hein, euh, de Khéops, puisqu'on y retrouve les, des cartouches, hein, notamment de pharaons de l'ancien empire. Alors, euh, ils ont été découverts euh, récemment. Euh, c'est probablement pas une invention euh, à mauvais escient de quelqu'un qui a voulu euh, créer euh, un, un buzz. Hein. C'est plus probablement, c'est l'analyse qu'on en fait aujourd'hui, hein, des soldats australiens hein, qui ont été en Égypte, hein, qui ont été en Égypte notamment pour la Première Guerre mondiale et de nouveau pour la Seconde Guerre mondiale, qui ont vu euh, des, euh, des hiéroglyphes hein, et qui les ont représentés chez eux hein, en souvenir. Hein. Euh, et on le note parce que si les hiéroglyphes sont bien représentés. En revanche, la grammaire utilisée dans les phrases de Gosford est erronée, hein, elle, elle, elle est fautive, hein, ce qui montre que c'est des gens qui ne connaissaient pas réellement l'écriture égyptienne. Il y, a, il y a un cas récent hein, qui est tout à fait intéressant c'est le cas des pyramides de Visoko, aux pyramides de, Bos de Bosnie. Hein. Euh, C'est un, un chercheur euh, euh, d'origine bosniaque, américain d'origine bosniaque, hein, qui a inventé ces pyramides. Alors, inventé, je ne dis pas ça de manière, de manière négative, hein. on, on invente une, euh, une ressource en archéologie hein, en disant que ces pyramides sont des faits humains euh, parce qu'il y a deux montagnes de forme pyramidale. On est typiquement là, dans un double biais euh, un premier biais qui est un biais. Euh, d'invention, de, 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 de création d'une fausse réalité. Ces pyramides sont des, sont des montagnes euh, naturelles. Hein. On connaît des montagnes pyramidales dans le monde. Hein. Et puis, un deuxième biais qui est un biais euh, nationaliste, hein, qui est de réutiliser ces pyramides en disant, vous voyez, euh, les Bosniaques euh, qui euh, ont occupé cette terre depuis très très très, très longtemps étaient déjà une civilisation, une culture avancée, hein, euh, bien plus avancée que d'autres, hein, ce qui nous montre que nous, peuple bosniaque, euh, sommes un peuple extrêmement, extrêmement avancé. Alors. D'une part, il est absolument impossible de faire un lien réel entre les Bosniaques occupant euh, cette région-là, disons en 20 000 avant notre ère, hein, et les Bosniaques d'aujourd'hui, hein, parce que les brassages culturels et humains sont tels qu'il n'y a aucun lien. Hein. Mais en plus, on est là dans une reconstruction et une instrumentalisation politique de l'archéologie hein, euh, qui rappelle euh, des heures sombres de notre histoire. En archéologie, hein, euh, il y a des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer encore aujourd'hui et que peut-être on ne sera jamais capable d'expliquer, faute de sources, hein, par exemple. Hein. Et, et c'est le cas en Égypte, hein, où euh, si par exemple on arrive à comprendre comment fonctionne et comment euh, s'établit le chantier des pyramides de manière, de manière générale, euh, un certain nombre de questions, par exemple, quel type de rampe réellement est utilisé sur la Grande Pyramide, ou, ou encore. Euh, quelle quantité de bois on avait, ou même euh, combien de personnes réellement étaient sur le chantier d'une pyramide, ce sont des questions auxquelles on sera peut-être incapable de répondre. Et pour l'Egypte, on a des, des trous, hein, des, des périodes très complexes dans lesquelles on a, on a très, très très peu d'éléments. Alors c'est vrai pour l'Egypte, c'est vrai pour les Mésopotamies, c'est vrai pour d'autres euh, civilisations. Néanmoins, euh, plus on trouve de, de sources, plus on arrive à avoir d'explications. Mais parfois certaines sources que l'on a remettent en question les explications qu'on avait euh, auparavant et nous obligent à, à reprendre à zéro euh, les, les études que l'on a. Et c'est euh, le cas de manière assez, euh, assez particulière et assez, assez générale. Alors, sur l'Égypte, c'est parfois le cas, mais plutôt les sources que l'on a actuellement confirment ce que l'on connaît déjà. Mais pour prendre un autre exemple, hein, et autour de Goblet TP par exemple, pendant très longtemps, euh, les archéologues, hein, pendant très longtemps, c'est-à-dire depuis les années 50, les archéologues ont, ont pensé qu'un élément clé de l'histoire humaine, c'est-à-dire le moment de la pratique de l'agriculture, euh, s'était fait selon le schéma suivant à savoir, les gens avaient commencé à faire de l'agriculture, puis c'était sédentarisé. Et la découverte de sites, euh, comme euh, euh, Mouillerbette, euh, comme euh, Gobelitepé, a montré le contraire c'est que les gens se sont d'abord sédentarisés ou pratiquer l'agriculture. Et c'est ce type de recherche et de fouilles qui remettent en question euh, les recherches archéologiques, mais les archéologues, ils aiment bien qu'on les remette en question. Ils aiment bien repartir sur une nouvelle base. Et contrairement à ce que disent des chercheurs alternatifs qui disent que les archéologues restent dans des biais et des connaissances qui datent du 19e siècle et qui ne veulent pas en sortir au risque de perdre leur position, c'est bien le contraire. Un archéologue qui trouve une nouvelle chose et qui arrive à le démontrer, il est le roi du monde. Il, est, il devient des archéologues les plus importants de son de ce moment. Donc, au contraire, les archéologues cherchent à démonter les théories anciennes de leur père pour justement montrer qu'ils sont plus intelligents qu'eux et, et ont trouvé de, de meilleures choses. Les théories alternatives euh, qui cherchent donc à, à démonter euh, l'idée que ce soit fait de l'histoire euh, habituelle euh, n'a pas. Que un but scientifique. Enfin, ces, ces chercheurs ont parfois des, des visées qui sont qui sont des profils médias hein. L'exemple évidemment le, le plus criant, c'est celui de Monsieur Van den hein, qui euh, va développer la théorie de nouveaux astronautes, hein, qui va l'amplifier. Hein. C'est pas une théorie qu'il a inventée, c'est une théorie qu'il va amplifier, hein, et qui, pour l'appuyer, va créer un parc d'attractions hein, autour de ce thème-là. L'objectif de, de ce parc hein, est évidemment que cela rapporte de l'argent et non pas d'exposer sa, sa théorie. Hein. C'est un peu également le cas des pyramides de Visoko, des pyramides de Bosnie, hein, où il y a tout un univers euh, touristique qui a été créé autour de ces pyramides, hein, avec, avec comme objectif, évidemment, d'attirer du monde et, et évidemment, d'avoir une rémunération dans la vallée. Donc, il ne faut pas croire que les chercheurs alternatifs, contrairement à ce que certains euh, prétendent, le font pour la beauté de la science. Ils hein, le font aussi pour la renommée hein, euh, et pour l'argent. Alors, je ne dis pas que les chercheurs classiques ne le font pas pour la renommée. Euh, pour l'argent, on connaît les salaires, euh, ce n'est pas forcément le cas. Mais, mais en tout cas, euh, les archéologues actuels ne créent pas des, des parcs euh, spécifiques hein, pour en retirer de l'argent. Les, les, les théories euh, alternatives euh, connaissent aujourd'hui sans doute un développement plus important parce que leurs créneaux de diffusion et leurs canaux de diffusion ont changé. Euh, Lorsqu'elles sont apparues euh, au 19e siècle, hein, euh, autour, euh, autour de Paisley par exemple, euh, ou autour euh, de certains euh, chercheurs américains autour de, de l'Atlantide, hein, euh, le seul canal c'était l'écrit, c'était l'imprimé. Donc il faut évidemment euh, écrire le livre, hein, ce qui prend plus de temps que probablement que de faire euh, une vidéo YouTube. Euh, ensuite, euh, euh, trouver un imprimeur et ensuite le diffuser. Et puis ensuite, il faut que ce soit acheté et, et, et vendu. Aujourd'hui, euh, Internet euh, est une véritable chambre d'écho. Hein, pour, ces, pour ces théories qui sont diffusées euh, en reportage, en, en documentaire, hein, et qui ensuite euh, permettent, par le jeu notamment euh, des, euh, des blogs ou, euh, des, euh, ou des questions qui sont posées, euh, d'en amplifier, euh, amplifier l'effet. Euh, effet euh, amplificateur bien plus grand encore, euh, sans doute que la télévision, parce que euh, la télévision, bah, il faut euh, être tombé sur la bonne heure de programme, sur le bon moment, alors que là, à travers à la fois la diffusion puis les algorithmes euh, que vous avez euh, sur euh, des chaînes comme YouTube ou sur des, ou des groupes Facebook, eh bien, on va vous rapprocher des théories qui vous plaisent et donc mettre en, en, en lien toutes ces théories euh, alternatives. Alors, euh, est-ce qu'elle change réellement? la vision qu'on qu a du monde, c'est très difficile d'y répondre. Hein. Euh, en revanche, hein, il est évident que la caisse de, de résonance est importante hein, et qu'il me euh, semble important euh, également que euh, les historiens, les chercheurs, les archéologues hein, qui travaillent sur des sujets similaires hein, soient capables d'y répondre justement hein, pour montrer que ces théories alternatives ne reposent en réalité sur aucune réalité. Et, les structures euh, humaines, les sociétés humaines euh, montrent que euh, l'homme euh, a réussi à créer des choses tout à fait extraordinaires euh, et qu'elles sont le fait bien de l'homme et de ses sociétés humaines euh, pour des objectifs, pour des buts qui sont très variables. Euh, Rituels, euh, de conquête, de pouvoir, euh, parfois euh, euh, esthétiques, c'est plus rare, mais, mais, mais parfois. Et que euh, cela montre que, euh, en tout cas ces sociétés anciennes, hein, euh, de, de, du néolithique à nos jours, hein, euh, montre que euh, le génie humain est suffisant pour créer ce type euh, de structure ou ce type de monument euh, ou ce type de cité. Et que faire appel à des agents extérieurs, euh, astronautes, Atlantes, euh, civilisation avancées, euh, c'est euh, mettre euh, douter de, de l'esprit humain et, de, et du génie humain. Et c'est tout à fait dommage, parce que euh, quand on fait de l'histoire et de l'archéologie, au contraire, euh, on, on, on arrive à comprendre, à voir et à se passionner pour ce qui est vraiment de l'humain, au sens que tu du terme, euh, et euh, à se dire que ces sociétés humaines euh, ont réalisé et, et ont composé des choses tout à fait remarquables que l'on voit aujourd'hui et dont on, est, dont on est les descendants. Alors, euh, pas direct, il hein, ne euh, faut pas penser que les chercheurs ou les bâtisseurs des pyramides imaginaient un jour euh, qu'on serait capable euh, de voler ou euh, d'envoyer une fusée dans l'espace. Ce sont des termes totalement anachroniques. Mais, c'est l'accumulation des savoirs depuis la création de l'écriture, depuis la sédentarisation, qui ont permis d'être où on en est. Et ce que nous faisons nous aujourd'hui, eh on peut l'espérer, grâce au génie humain au sens large du terme, va permettre également de développer des sociétés encore plus avancées, plus intéressantes dans les, dans les siècles les à venir. Effectivement, on peut se poser euh, le, la question de la méthode euh, des, euh, des chercheurs alternatifs. Euh, en fait, il euh, n'y a pas de méthode au sens du terme. Euh, à savoir, euh, la méthode employée, c'est euh, essentiellement de faire des parallèles avec des objets ou des structures qui sont similaires et de considérer que si ces objets sont similaires, c'est qu'il y a un lien entre ces objets. Et la méthode, elle est purement interrogative, en disant. Tiens, je ne comprends pas comment ce système fonctionne. Si je ne comprends pas, c'est que c'est pas ce qu'on m'a expliqué. Et c'est purement la méthode. Ensuite, on va bâtir un argument autour de ça, qui va être soit des questions qu'on laisse sans réponse, soit du millefeuille argumentatif en disant il y a ça, 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 il y a ça. Donc il y a ça. Et le donc en général n'arrive jamais. On va simplement dire, voyez, les pyramides, elles sont alignées. En plus, elles sont de cette taille-là. En plus, elles sont compliquées. Et donc, c'est forcément compliqué. Voilà, c'est le type de, de, de raisonnement que l'on a. Et ce type de méthode n'est absolument pas scientifique, au contraire. Hein. Il est purement du brouillard intellectuel dans lequel on va essayer de faire passer des idées euh, que l'on va accumuler sans avoir de conclusion solide. De plus, les alternatifs tendent à partir de leurs réponses. Ils partent de leur idée finale, à savoir que c'est trop compliqué, et ensuite ils vont chercher les causes de cette complexité. Et cette technique-là, elle est à l'inverse de la science et des sciences humaines. Au contraire, les méthodes des historiens et des archéologues consistent à partir du terrain. On a des objets sur le terrain, on a des structures sur le terrain, on a des textes. On essaye individuellement de les comprendre, de savoir à quoi ils servaient, par exemple. De comprendre, par exemple, si cet objet est à tel endroit, est-ce que ça a une signification Et ensuite, une fois qu'on a accumulé ce type euh, d'observation sur ces objets ou sur ces structures, on va essayer de les lier entre elles. Et parfois, on va avoir des liens, parfois, on ne va pas en avoir. Et puis, on va euh, essayer de comprendre mieux. Prenons l'exemple de la sculpture égyptienne et des tombes égyptiennes. On sait que euh, les Égyptiens ne font pas des sculptures pour décorer. Ils font des sculptures pour que c'est une, une apparence de réalité. Ces, ces sculptures n'ont pas forcément l'objet d'être vues. Elles sont parfois uniquement dans les tombes pour plaire aux dieux. Et on le sait, non pas parce qu'on se dit que c'est comme ça, mais parce qu'on est des textes. Et voilà comment va travailler un archéologue. Il va trouver une sculpture, il va dire tiens, cette sculpture paraît ressembler à l'idée que se font les Égyptiens euh, du monde vivant. Et ça tombe bien, j'ai un texte qui montre que cette sculpture doit apparaître au plus réel possible. Et c'est grâce à ces liens qu'on essaie de comprendre certains éléments de, 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 de la société égyptienne, et en accumulant euh, ces éléments, de comprendre l'ensemble de la société égyptienne, si bien sûr cela est possible, ce qui n'est probablement pas parce qu'il nous, nous manque des sources. Mais l'essentiel, c'est qu'en archéologie, en égyptologie, euh, en histoire, quelle qu'elle soit, on ne parle jamais de la conclusion, on parle des sources, on parle on part du départ, ce qu'on a sur le terrain.